Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de lancer une clombe en se tenant à moins de 10 mètres dans Clombo. Alors pour réaliser ce défi et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des clombes, donc c'est des buissons à clombe que vous allez pouvoir récupérer. Donc tous ces emplacements, vous vous rendez à n'importe quel de ces emplacements et là vous trouverez des clombes. Donc c'est des sortes de cerises bleues. Donc il vous en faudra pour réaliser le défi. Cependant, moi je vous conseille de faire une autre technique que je vais vous présenter. C'est tout simplement aller près du personnage native, donc qui se trouve juste ici sur le gameplay. Donc je vais vous montrer, hop, juste ici en dessous de Greasy Groove. Donc voilà, vous vous rendez à cet emplacement là. Si bien sûr vous avez 25 lingots d'or, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Elle vend en fait, ce personnage vend en fait des clombes. Donc voilà, pour 25 lingots d'or, vous avez exactement un clombé. Voilà, vous avez une seule clombé. Il faut savoir qu'il vous en faut qu'une seule pour réaliser le défi. En plus de ça, il faut savoir que le personnage native, bien souvent, en tous les cas, je pense que c'est tout le temps, il y a un clombo. Donc un clombo, c'est le gros monstre que vous voyez là. Donc ça, c'est un clombo. Et en fait, donc là, je vous montre aussi le clombé, hein, parce que comme ça, vous le voyez. Hop, ça, c'est un clombé. Donc, en fait, le clombo, il se trouve toujours à cet emplacement-là. Toujours, je l'ai toujours vu vers cet emplacement-là. Et bien souvent, il est en train de dévorer cette maison-là. Donc, il est toujours près du personnage natif. Donc, si vous allez directement à cet emplacement pour aller chercher des clombés, et ensuite, vous allez près du clombo, lancer un clombé en se tenant à moins de 10 mètres du clombo, bah voilà, vous allez réussir votre défi très facilement. Donc, voilà. Il faut vraiment être à côté du clombo et lancer en fait votre... Oh merde, oh non, je l'ai mangé. J'ai mangé le clombé. Donc c'est pas grave, je vais aller en rechercher. Hein. Mais il faut le lancer. Donc pour le lancer, il faut viser. Mais moi, j'ai pas visé, j'ai directement tiré. Donc c'est pas grave, je vais aller rechercher une clombé. Je vais même aller en rechercher deux. Donc je vais me servir du monstre pour aller en rechercher. Voilà. Déplacement rapide au cas où vous ne connaissiez pas. Ben voilà, vous aurez appris un truc supplémentaire dans cette vidéo. Donc là, je vais rechercher un clombé. Enfin, je vais en rechercher deux. Parce que j'aimerais bien vous montrer un truc avec le clan boss. Donc le clan boss, ouais, le clombo. Il n'y a pas de S parce qu'il n'y en a qu'un. Ok. Donc hop, je vais en acheter deux. Voilà, parfait. Non, je vais même en acheter trois. Hein. On n'est pas à 25 d'or près. Donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, moi je vous conseille fortement de vous rendre ici hein, pour réaliser ce défi. Comme ça vous serez tranquille et vous n'aurez pas à voyager ou à chercher dans toute la map après des clombés. Puis après il faudra rechercher après le clombo parce que vous voyez bien qu'il voyage. Donc si vous sautez si vous arrivez ici en fin de partie, c'est possible que le clombo ne soit plus du tout là parce qu'il voyage dans la map. Donc voilà. Alors là ce que vous allez faire, c'est vous rapprocher du clombo. Et là vous allez viser et vous allez lancer une clombé. Hop, et regardez, il est directement attiré. Donc, ce que vous pouvez faire... regardez, il est dégoûté, là. Ce que vous pouvez faire, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est faire voyager le clombo, en fait. Vous voyez? Vous le faites voyager et vous pouvez l'emmener n'importe où, en fait. Hein. Vous pouvez l'emmener dans Tilted et tout. Hein. Bon, après, ça va peut-être être long de l'emmener là-bas, mais voilà, c'est quand même possible, c'est quand même faisable. Et après, bien entendu, si vous lui donnez... Oups, je me suis trompé, je voulais lui donner. Si vous lui donnez, là il va l'avaler et il va vous donner quelque chose en échange. Donc je ne sais pas s'il peut vous donner des armes, je pense que oui. Mais c'est possible qu'il vous donne que des trucs de soins. Donc voilà, pour réaliser le défi de toute façon, il vous suffit juste de vous coller près du clombo et de lui lancer une clombée. Comme ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao. Peace.